Bonjour. Pour comprendre le fonctionnement des expériences dans cette vidéo, vous devez avoir quelques notions d'électricité très simples. Premièrement, la charge électrique. Si je prends un ballon et que je le frotte, je lui donne une charge positive. Maintenant, si j'approche un morceau de polystyrène, il s'attire. Pourquoi? C'est simple. Le ballon a une charge positive, le polystyrène a une charge négative. Donc, par une force électrique, ils vont s'attirer. Maintenant, si je prends deux ballons et que je les frotte, ils vont se repousser. Pourquoi? C'est simple. Les deux ont une charge positive, donc la force électrique les repousse. Pour illustrer ce principe, j'ai fabriqué un électroscope composé de deux feuilles d'aluminium accrochées sur un crochet. Lorsque j'approche un objet chargé, les feuilles s'écartent. Pourquoi? C'est simple, les feuilles ont la même charge, donc elles vont se repousser. Maintenant que vous avez compris, on peut passer aux vraies affaires. Donc j'ai mon flyback qui va me donner environ 10 kV et au lieu des ballons, je me suis fait des petites balles conductrices. Donc, j'ai pris des balles de polystyrène que j'ai peinturées avec une peinture conductrice. L'avantage des balles conductrices, c'est que la charge se répartit sur toute la surface. Donc, si j'approche la balle du haut voltage et que j'allume celui-ci, la balle est repoussée. Et c'est toujours le même principe. La balle possède la même charge que ma plaque d'aluminium, donc la force électrique la repousse. Observez bien ce qui se produit maintenant lorsque je place ma balle entre deux plaques, donc cette plaque-là va être reliée au haut voltage, cette plaque-là va être reliée au ground, il va donc se créer un champ électrique important entre les plaques. Je vais vous expliquer ça. La balle, puisqu'elle est collée sur la plaque positive, va se charger positivement. Donc, elle va être repoussée comme ça. Et lorsqu'elle va toucher la plaque négative, elle va perdre sa charge positive, elle va prendre une charge négative. Donc, la force électrique va être de l'autre sens et la balle va accélérer dans cette direction. Et elle va se recharger positivement et ainsi de suite à l'infini. Si je rapproche les plaques, puisque le voltage reste constant, le champ électrique va augmenter. Donc, observez bien ce qui va se produire. La balle accélère très rapidement. On peut exploiter ce phénomène pour faire une cloche électrostatique. Donc, les deux canettes ont un potentiel différent et la balle va se charger, se décharger successivement et en frappant les canettes, elle va produire un bruit. Puisque la fréquence du son dépend de la hauteur de la colonne d'air dans la canette, en rajoutant de l'eau à l'intérieur, on peut modifier le son. Voici mon accélérateur linéaire. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc j'ai ici, toutes ces plaques-ci sont reliées au ground, et toutes celles-là sont reliées au haut voltage. Et lorsque je place une balle conductrice sur la plaque, elle va prendre une charge négative. Donc elle va être attirée par la plaque positive. Lorsqu'elle va toucher la plaque positive, la balle va prendre une charge positive, donc elle va être attirée par la plaque négative. Et ainsi de suite, et à chaque étape, la balle va accélérer. Pour éviter d'avoir à toujours ramasser les balles, je me suis construit un accélérateur linéaire, mais en forme de cercle. Donc, observez bien le circuit.
toujours le même principe que l'accélérateur. Ça, c'est mon cyclotron. Toujours le même principe. La croix au milieu est reliée au voltage. Les autres bandes sont reliées au ground. Et la balle est accélérée circulairement. Maintenant, on va introduire un peu d'instabilité. On va rajouter d'autres balles. On voit rapidement que à plus d'une balle, ça devient vite chaotique. Et il y a toujours, les balles sont toujours éjectées pour n'en laisser plus qu'une. Je vous ai gardé le clou du spectacle pour la fin. Ça, c'est mon moteur électrostatique. Donc, je vais vous expliquer brièvement le fonctionnement. Donc, ça, c'est mon rotor. J'ai 3 pales d'aluminium dessus. Ensuite, ici, j'ai une plaque que je charge avec mon haut voltage, une plaque reliée au ground. Et là, ici, c'est des balais pour faire des contacts avec les pales du rotor. Donc, le fonctionnement, c'est que ici, le balai va charger la plaque positivement. Donc, elle va être attirée par la plaque négative. Il va se produire un moment de force ici. Là, de l'autre côté, il se produit la même chose. La plaque se charge négativement, elle est attirée par la plaque positive. Et comme ça, ça tourne, ça l'accélère. Il présente des fois quelques instabilités au démarrage. Mais avec la méthode du stroboscope, on obtient des vitesses étonnantes. 80 tours par seconde. Si je prends deux ballons et que je les frotte... Ah, fudge.